Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux pour la période de mi-mai à mi-juin 2023. Alors, comme vous l'avez vu le mois dernier, on va le faire en trois temps, à savoir donc la première partie, ce sera la période qui sera de mi-mai jusqu'au 25 mai. Donc voilà, mi-mai jusqu'au 25 mai. Après, on va faire 25 mai jusqu'au 5 juin et enfin la dernière, 5 juin au 15 juin à peu près. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Alors, donc sur cette période du, on va dire, 15 mai au 25 mai, on a l'empereur. Donc l'empereur indique que vous allez enfin pouvoir faire éventuellement des projets. Ou alors si des projets étaient en stand-by, ça y est, ça repart. Donc voilà, donc on voit une dynamique bien plus positive. Alors j'ai envie de vous dire que c'est un peu logique, hein, parce qu'on sait que Jupiter passe dans votre signe le 16 mai. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la chance, il ne faut pas l'oublier. Et évidemment, ça aura forcément un impact assez considérable sur votre vie, parce que donc Jupiter, c'est quand même pas souvent en fait qu'on l'a avec soi, et surtout donc dans la maison des taureaux. Donc c'est très important, profitez-en, vous verrez, vous allez voir, les choses vont se débloquer un peu plus naturellement que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Voilà, donc l'arrivée de Jupiter permet de refaire des projets. Donc je pense que vraiment vous allez se sentir de façon extrêmement forte. Maintenant, en ce qui concerne la période du 25 mai au 5 juin, on est sur la période du Battleur. Alors, exactement dans la même lignée que ce qu'on a vu au-dessus, c'est que des choses nouvelles, des personnes nouvelles vont rentrer dans votre vie. Donc je pense que c'est une période de rencontre, une période avec éventuellement un début d'activité, un début dans une nouvelle vie. Donc je pense que voilà, pour certains d'entre vous. Alors que ce soit les taureaux ou les ascendants taureaux, alors ascendant solaire ou lunaire bien sûr, je pense que vous allez sentir donc un espace, un grand vent de nouveauté du 25 mai au 5 juin. Alors, et on va dire sur la période du 5 au 15 juin, alors là c'est une période où la maison Dieu indique éventuellement des choses qui vont arriver de façon très inattendue. Donc, je sais aussi qu'Uranus est chez vous également. Donc, je pense que voilà, il y a cette notion d'imprévisibilité, de choses qui vont vous tomber un petit peu sur le coin du nez, des choses, voilà, évidemment, on l'espère très positives, on va dire. En tout cas, ça va vous remuer, mais ça va vous faire surtout bouger. Donc, voilà, donc vous le voyez, vous pouvez commencer à refaire des projets avec vraiment sur cette période du 15 mai au 5 juin, et là vous allez être obligé de prendre des décisions parce que donc quelque chose d'inattendu risque de vous arriver. Encore une fois, je vous souhaite que ce soit positif, mais il n'y a pas de raison parce que la maison de Dieu indique justement que voilà, c'est pour un peu vous secouer que ces choses-là arrivent. Maintenant, en ce qui concerne donc l'affectif, le financier et le professionnel, et là tout. Alors, là tout, voilà. Donc, l'affectif, on est en impératrice. L'empereur, l'impératrice, décidément, vous êtes dans la communication. Je ne sais pas si certains, éventuellement, faire des rencontres sur Internet, ça va bouger. Vraiment, on sent donc la communication, les réseaux de communication. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont passer par ce biais-là ce mois-ci, peut-être encore plus que les mois précédents. Maintenant, en ce qui concerne donc la finance, les finances, le jugement. Le jugement, c'est l'indication que vous refaites une santé financière. Donc, je pense que certains, peut-être, trouvent des placements, de bons placements. Peut-être que vous arrivez à débloquer de l'argent. Il y a une notion quand même, donc, de se refaire une santé. Le jugement, c'est la résurrection, c'est le fait d'être un peu l'élu. Donc, je pense que voilà, vous avez certainement bien tiré votre épingle du jeu d'un point de vue financier ce mois-ci. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel. Le professionnel, le diable, c'est de bon augure. Le diable, c'est le charme, c'est on vous remarque. Donc, c'est toujours bon hein, pour ce qui est vraiment professionnel. On vous remarque plus que d'habitude, donc forcément, on fait attention à vous. Donc, forcément, dans le domaine professionnel, ça vous apportera des choses. Encore une fois, je vous le dis, vous avez la chance. Jupiter est avec vous et je pense que voilà, il faut vraiment profiter de cette période pour faire des choses et mettre en place des choses qui auront de l'importance de façon
vraiment extrêmement forte par la suite pour votre avenir. Voilà, et maintenant, donc l'atout, c'est la roue de fortune. Donc voilà, donc la roue de fortune, on le sait, hein, c'est vraiment... la roue de fortune, on le sait, ça peut être au point de vue populaire, c'est toujours un bon présage. Ça peut présager évidemment de rentrée d'argent. Ça présage aussi on va dire, de choses nouvelles qui arrivent, de votre roue qui repart, de votre vie qui repart. Ça peut être votre vie personnelle ou tout simplement votre vie professionnelle. Mais en tout cas, on le voit, c'est reparti. Alors, si on regarde les oracles cette fois-ci. Les oracles. Alors, je vais vous tirer deux oracles. Le premier, c'est le revirement. Et le deuxième, c'est le film. Alors, qu'est-ce que ça signifie? J'aime bien finir par ça, parce que ça donne toujours une note un peu positive. Alors, le revirement, c'est qu'en fait, vous avez vraiment une capacité très naturelle à changer le négatif en positif. Parce que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous l'imaginez. Donc voilà, donc gardez en tête ça, vous êtes plus puissant que ce que vous imaginez, vous avez plus de prise sur les événements que ce que vous pensez. Et ça, évidemment, sera un gros impact sur cette période-là. Maintenant, le film. Le film, c'est le moment de sortir de vos rêves. Donc voilà, pour entrer dans la réalité. Donc voilà, là, c'est une indication qu'il faut que vous mettiez certainement les bouchées doubles pour arriver à ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Et encore une fois, je pense que l'arrivée de Jupiter dans votre signe va considérablement modifier votre destinée. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. Maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout laisser des commentaires. Ça me permet vraiment de faire évoluer les choses du mieux possible. Je vous souhaite donc un très bon mois et vous dis à très très bientôt.